Bonjour les amis. Bonjour. Voilà, si je fais ce petit live là, qui n'était pas prévu du tout, c'est parce que je suis sortie ce matin avec mon fils. Et quand je suis arrivée, quand je suis rentrée, j'ai eu ma page Facebook qui était ouverte. Et j'ai eu un message de Facebook. Ouais. Et si je fais un live, c'est parce que je veux pas que l'on me bloque cette vidéo parce que j'estime que c'est très important, très important. Je ne suis pas une lanceuse d'alerte. Bonjour Daniel. Je ne suis pas une lanceuse d'alerte. Je ne fais que de dire ce que je vis au quotidien. J'essaye d'informer et de partager les informations que j'ai au moment où je les reçois, les informations qui peuvent être utiles. Et donc, utile pour vous, utile pour tout le monde. Et essayez de vous ouvrir un peu les yeux à ceux qui les ont encore fermés. Donc, j'ai partagé il y a quelques temps de ça, il y a quelques semaines de ça, quand elle est sortie en fait, la vidéo, vous savez, du jeune docteur là, avec des lunettes, une moustache et tout, qui dénonçait ce que... le courrier qu'il avait reçu en fait et ce qui se passait avec les médecins quand on avait fait le test et qu'on était avéré positif au virus. J'ai donc posté ça parce que j'ai trouvé que c'était inadmissible, d'accord? Donc aujourd'hui c'est excellent parce que je suis même pas en colère, je suis juste pas étonnée, mais quand même un peu abasourdie de qu'on vienne me faire chier moi quoi. Je comprends pas. Enfin voilà, je vous lis le texte que Facebook m'a envoyé, mais c'est un bijou. Hein. Il commence par la phrase en anglais. You can go live pendant 30 jours. Alors, la moitié français, la moitié anglais, hein, histoire qu'on sache bien. Hein. Donc, je ne peux plus poster ou faire de live pendant 30 jours. Explication. Vous avez précédemment publié du contenu qui va à l'encontre de nos standards de la communauté. Ah, mince! Voyez-vous ça? J'ai posté quelque chose qui allait à l'encontre de la communauté. Ah bon. Qu'est-ce à dire? Cette publication ne respecte pas nos standards sur les individus et organismes dangereux, personne d'autre que vous à voir. Ah, mince, du coup je suis toute seule à pouvoir voir la vidéo. Ballot, hein? D'autant plus que je l'ai enregistrée, donc combien même il me la supprime, je pourrais toujours la regarder, je pourrais toujours la poster autant de fois que je veux, c'est pas le problème. On continue. Nous utilisons la technologie ou une équipe d'examen pour supprimer tout ce qui va à l'encontre de nos standards aussi rapidement que possible. Ah ouais, oh, bon, ça fait jamais que quelques semaines quand même hein, que j'ai posté la vidéo, que ça fait maintenant plusieurs jours que cette vidéo tourne, que ce monsieur a fait des conférences, que ce monsieur a été vu par des journalistes. Non, j'ai le droit. Donc, que possible, hein? Ça fait jamais qu'une semaine ou deux. Enfin bon. Nous utilisons les mêmes standards. Bonjour Serge. Nous utilisons les mêmes standards de la communauté dans le monde entier et pour tout le monde sur Facebook. Alors tout le monde, hein. Que vous ayez deux contacts, que vous en ayez 600, que vous en ayez 1000, que vous en ayez 4000, que vous en ayez tout ce que vous voulez, pareil. Chaque région du monde a ses propres équipes d'examen formées aux standards. Voilà. On continue, c'est pas fini. Les symboles, l'éloge ou le soutien d'individus et d'organismes dangereux ne sont pas autorisés sur Facebook. Ce que nous entendons par dangereux, alors attendez, ça vaut de l'or, ça. Activité terroriste. Ah oui. Ah bah moi, surtout une terroriste, tiens. Il n'y a pas plus pacifiste, mais terroriste. Haine organisée. D'où j'ai envoyé une haine organisée? D'où? Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un d'aller tuer quelqu'un pour quelqu'un? Non? Pas d'haine organisée. Est-ce que j'ai demandé à quelqu'un d'aller se battre sur Paris? Non, j'ai même dit le contraire. Hein? Donc, c'est complètement idiot. Ah,
Meurtre de masse ou en série? Ah, bah voyons, bah oui, vas-y. Mais c'est tout à fait mon style, hein? C'est tout à fait mon style, hein? Ouais. Traite des personnes, ou j'ai traité quelqu'un, ou j'ai traité quelqu'un. Au niveau de cette vidéo, ou j'ai traité quelqu'un. Je sais pas. Violence ou activité criminelle organisée, sérieux? Alors, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq phrases qui correspondent donc à leur. Je suis désolée, je suis obligée de rire. À leur standard de la communauté, je ne rentre dans aucune d'elles. Dans aucune. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui préconise la paix, c'est moi. Enfin, moi et d'autres. Hein. Mais. Vous dire allez vous balader à droite et à gauche, allez casser la gueule à machin ou un truc. Non, au contraire. Ceux qui me suivent le savent, pardon, c'est ma fibro que je vous nettoie. Mais c'est pas fini, on continue. Personne d'autre que vous ne peut voir votre publication. Voilà, donc elle est fort close, elle aussi. Voilà. Car elle va à l'encontre de nos standards de la communication sur les individus et organismes dangereux. Bien, alors un médecin qui dénonce ce qui lui arrive parce qu'il veut nous mettre en garde sur ce qui peut nous arriver, sur une éventualité de ange gardien qui vient chez vous parce que vous avez été soi-disant suspecté ayant le Covid, eh ben faut pas le dire. Faut pas le dire, ben non. Et oui, ben vous rentrez dans. Soit vous avez une activité terroriste, soit vous avez une activité haineuse, soit vous faites du meurtre de masse et en série, soit vous êtes un traître des personnes, soit la violence, activité criminelle et organisée. Donc, voilà. Alors moi, j'aimerais bien savoir, à partir de là, où, à partir de, qu'est-ce qu'on peut dire au final, parce que je ne rentre dans aucune de ces catégories. Moi et beaucoup d'autres, hein, on ne rentre dans aucune de ces catégories. Donc, je ne comprends pas. Bon, mais on continue parce que c'est pas fini, hein. Et ben, ils ont mis le paquet, hein. Donc, il me donne le choix. Il me donne le choix, attendez, il me donne le choix. Acceptez la décision. Personne d'autre ne peut voir votre publication et vous ne pourrez plus demander son examen. Ou, en désaccord avec la situation, bah bien sûr, la décision, bah bien sûr que j'ai fait désaccord avec voilà. Nous utilisons vos commentaires pour améliorer nos futures décisions. J'ai mis en désaccord, bien entendu. Hein? C'est pas fini. En principe, nous donnons la possibilité de demander un examen puis un réexamen en cas d'erreur de notre part. Sérieux? Wow, quelle chance! J'ai un examen plus un réexamen, dis donc. Wow. Tout ça parce que j'ai dit que j'étais pas d'accord. Oui. En raison de l'épidémie du Covid, il y a actuellement moins d'examinateurs disponibles. Oh, c'est dommage. Oh, c'est ballot. Oh, mince alors. Nous nous efforçons de donner la priorité au contenu qui présente le plus grand risque de préjudice. Dites donc, dénoncer les malfaisances du gouvernement, hein, c'est donc un grand risque de préjudice. Dénoncer le fait qui veut séparer les familles, dénoncer le fait qu'ils veulent nous faire un vaccin obligatoire, dénoncer le fait qu'ils veulent nous mettre des masques, dénoncer le fait qu'ils veulent nous mettre en confinement obligé, obligatoire, alors qu'il n'y a pas de raison, c'est donc un grand risque de préjudice. Punaise, mais où est-ce qu'on est arrivé, les gars? Oh! Sérieux! Je continue. Il est donc possible que nous ne puissions pas effectuer de réexamen. Ah bah tiens, bah, c'est une belle blague. Toutefois, vos retours nous aident à nous améliorer. Oh, qu'est-ce qu'ils sont gentils, qu'est-ce qu'ils sont gentils. Merci de votre compréhension quand même, hein? Merci de votre compréhension. Hein? Voilà, donc la vidéo, tout le monde l'a vue? On l'a vu, on l'a revu, on l'a revu, on l'a revu, on l'a revu, on l'a revu. Ce cher docteur est passé X fois dans les médias, dans les mainstream, enfin pas dans les mainstream, non, dans les médias, sur YouTube, à diverses occasions. Il a même une chaîne YouTube, alors je lui souhaite bon courage à ce cher docteur, hein, qui a eu, pardonnez-moi l'expression, les couilles assez grosses pour dire ce qui se passait au niveau médical. Et nous, quand on partage la vidéo, eh ben, on se fait bloquer. Pour grand risque de préjudice. Voilà. Alors, à savoir quand même
que c'était avant la loi de cette chère dame, vous savez, la dame de couleur là, hein, qui nous empêche de parler librement sur, sur Facebook, hein, qui nous empêche de parler librement sur Facebook, mais qui a une centaine de casseroles au cul, hein. Mais de toute façon, au niveau du gouvernement, là pour le coup, j'ai ce que je pense. Au niveau du gouvernement, ils ont tous des casseroles au cul, donc une de plus, une de moins, qu'est-ce que ça peut faire? Mais elle, en plus, elle est cannibale. Ouais, ben oui, je pèse mes mots, elle est cannibale, puisqu'elle a mordu son chauffeur. Oh! Et puis, on ose me poster des trucs comme ça, suite à la loi d'une dame de couleur qui sort de je ne sais pas où, qui vient de je ne sais pas où, et qui nous empêche de parler, c'est-à-dire qu'on n'a plus le droit de s'exprimer. Mais alors, moi, Facebook, hein? J'ai copié le texte, je l'ai envoyé sur VK en Russie, voilà. Et s'il faut, je l'enverrai ailleurs encore, hein, parce que c'est inadmissible et je suis contre cette loi, hein, parce qu'on n'a plus le droit de dire ce qu'on pense, hein. Déjà, on n'avait pas trop le droit avant, hein, et maintenant, on a encore moins le droit, voilà. Et maintenant, c'est foreclose, voilà. Hein. Tu es traité de complotiste, alors tu fais des activités terroristes, si tu... Alors, et maintenant, j'adore. Si tu disais la vérité maintenant sur ce qui se passe, on est accusé d'activité terroriste, hein, parce qu'on dit que le vaccin n'est pas bon, activité terroriste, de la haine organisée, quand on dit que la 5G, elle n'est pas bonne non plus, oh, pff, haine organisée, meurtre de masse en série, là j'ai pas compris par contre, c'est quoi le meurtre de masse en série? Ah, mais ça s'adresse peut-être au gouvernement au final. Parce que s'il y a quelqu'un qui fait un meurtre de masse en Syrie, en ce moment, c'est lui, c'est le gouvernement, hein, et tout l'état profond, l'oligarchie, etc. C'est eux qui font des meurtres en masse et en Syrie. Donc, on devrait bloquer toutes les vidéos de Macron quand il parle, parce que non content, il nous raconte que des conneries. C'est un grand hypocrite. Et en plus, hein, il nous accuse de faire des meurtres de masse en Syrie, alors que c'est lui qui le fait avec ce virus. Hein. Mais quand on est copain comme ça avec l'OMS, hein, et avec ce cher Bilou, forcément, on est protégé. Hein. Et puis les meurtres qu'on peut faire via les vaccins, via ce virus qui existe, mais qui n'est pas si dangereux qu'on veut bien nous le faire croire, mais qui existe, et via tout ça, on veut séparer les gens, on veut séparer les familles, on veut séparer tout ce qui fait l'humanité, hein, la famille, les amis, tout, on veut tout séparer. On veut séparer les enfants des parents, ça aussi, faut le savoir, on veut séparer les enfants des parents, on veut que tout se disloque, histoire que personne ne puisse se réunir, que personne ne puisse parler, hein, histoire qu'on monte pas un meurtre de masse en série, hein, voilà. Alors, si on parle de meurtre de masse en série, on parle des gilets jaunes aussi à ce moment-là, hein, ouais, qui se vont tapasser la gueule à coups de LBD et à coups de matraque, ça, c'est pas nous. C'est pas nous qui le faisons le meurtre en série, c'est le gouvernement, c'est vous qui le faites, c'est pas nous. Nous, on est pacifistes, hein, même si je suis pas gilet jaune, on est pacifistes. Alors, nous accuser de meurtre de masse en série, je trouve que c'est un petit peu gros, un petit peu, voilà. Traître des personnes, qu'est-ce qu'on a été traité? C'est quoi le traître des personnes? C'est dire que c'est prendre conscience que quelqu'un est idiot et dire qu'il est complètement con et qu'il faut changer, c'est ça, de traiter les personnes? Alors oui, je traite. Je dis qu'on est gouverné par une oligarchie qui veut notre mort, je traite. Je dis qu'on fait tout en ce moment pour séparer les familles et pour pouvoir mieux les dominer, je traite. Voilà, et ben je traite. Hein? Et si ça ne plaît pas, eh ben, c'est ma façon de penser, c'est ma façon de voir. Je suis libre de mes opinions, je suis libre de penser ce que je veux, je suis libre de croire ce que je veux et je suis libre de dire ce que je veux. Et ce n'est pas un putain de papier venant de Facebook qui va me faire changer d'avis. Parce que si ce n'est pas via Facebook, ça sera via autre chose. Mais je dirai ce que je pense et ce n'est pas à eux de dire ce que je pense ou pas. Si je dois être virée de Facebook, je serai virée de Facebook. J'irai sur VK, j'y suis déjà d'ailleurs, depuis quelques années maintenant. J'irai sur VK. Alors, qui même me suive, hein, s'il y en a qui ne sont pas contents,
Ils peuvent partir. S'il y en a qui veulent me suivre sur VK, j'irai sur VK. Si je suis bloqué 30 jours sur Facebook, j'irai sur VK. Et je ne reviendrai pas sur Facebook. Que cela soit dit et entendu. Je sais, je ne suis pas grand monde, je ne suis qu'une goutte d'eau dans l'océan, mais dites-vous bien que goutte plus goutte plus goutte plus goutte, ça peut remplir un verre, et d'un verre une bouteille, d'une bouteille beaucoup plus, hein, et l'océan est fait de petites gouttes d'eau, hein, voilà. À bon entendeur, salut. Alors, toi, ton départ. Violence ou activité criminelle organisée, dis donc, quand est-ce que j'ai fait, quand est-ce que j'ai été violente vis-à-vis de qui que ce soit ou envers qui que ce soit? À part là, tout de suite, maintenant, parce que ça me gonfle. Quand? Je l'ai jamais fait. Jamais. Activité criminelle organisée? Oh, à moi, activité criminelle organisée. Ouais. Bah ouais. Ah bah oui, bah bien sûr. Bah, et bien j'ai que ça à faire dans ma vie. Hein? Organiser des activités criminelles. Bah oui, j'ai que ça à faire. Hein? C'est... Attends, on vit dans un monde de fous. On vit dans un monde de fous. Et ça, je l'ai photocopié, hein? Je l'ai photocopié, hein? Et je demande à Facebook, puisqu'il va voir ma vidéo là, hein? Je demande tout de suite, maintenant, à Facebook, qu'il me dise à quel moment exactement je rentre dans l'une de ces cinq. C'est à l'envers, mais je vous le montre. Dans l'une de ces cinq activités. À quel moment? Faut arrêter un peu de se foutre de la gueule du monde. Parce que si Facebook il existe aujourd'hui, c'est grâce à nous. Hein? Si nous, on n'était pas tous là comme des cons autour de Facebook, Facebook, il n'existerait pas. Hein? Alors, à cause du Covid, on est moins nombreux. Eh bien, vous devriez être zéro, nul, parce que vous allez nous coincer, hein, une vidéo de quelqu'un qui dit la vérité, et parce qu'on l'aura partagée, vous nous bloquez, hein, alors que vous laissez passer toutes les pages de pédophiles, hein, vous laissez passer toutes les pages de criminels, hein, vous laissez passer toutes les pages de terroristes, et vous venez nous emmerder parce que nous, on dit la vérité. Alors oui, pour le coup, je me suis mis en colère. Je suis désolée. Pardon. Non. Parce que ça, je n'accepte pas. Hein. Être accusée de choses dont je ne suis pas responsable, dont je ne fais pas partie, parce que c'est exactement le contraire de ce que je suis, là, ces cinq trucs-là. Hein. C'est exactement le contraire de ce que je suis. Donc non, je n'accepte pas. Alors je vous dis, encore une fois, et après je vous laisse, c'était mon coup de gueule, c'était juste pour que ce soit enregistré sur Facebook et pour que je puisse le passer sur YouTube et que ce soit vu par le plus grand nombre de personnes. Parce qu'il y en a marre. Il y en a marre. Hein? Je ne fais pas partie de ce monde. Néanmoins, je suis obligée de vivre avec. Je suis obligée de vivre avec. Donc, hein, si vous, ça vous convient, hein, comme dirait quelqu'un que je connais, on peut pas réveiller les gens qui sont dans le coma. Donc si pour vous ça vous semble normal et que il y a aucun problème là-dessus, tant mieux pour vous. Restez, continuez à dormir, restez. Hein? Mais pour ceux qui ont les yeux ouverts, hein, et ceux qui commencent à voir un petit peu ce qui se passe, voilà ce qui risque de vous arriver. Voilà ce qui risque de vous arriver. Ce qui vient de m'arriver à moi. Tout simplement. Donc moi je dis stop. Il y en a marre maintenant. Il y en a marre. Il y en a marre. Je sais pas. Moi, Facebook, ça va être niette. Terminé. Hein? Parce que être accusé de ce que j'ai été accusé, ça, je n'accepte pas. Salut Fatima. Ça, je n'accepte pas. Donc, parce que pour moi, personnellement, je m'en fous. J'en fais pas partie de ce qu'ils disent, là. J'en fais pas partie. Donc, personnellement, pour moi, je m'en fous. C'est pour vous dire à vous ce que vous risquez. Voilà ce que vous risquez. Hein, avec la loi de cette personne cannibale qui a bouffé le cou de son chauffeur. Voilà ce que vous risquez. C'est génial. Hein, c'est génial. Eh bien, continuez à aller sur Facebook. Continuez à partager des trucs. Et ça, je vous dis...
continuez, partagez, 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 partagez jusqu'à ce que vous soyez tous bloqués. Hein? Comme ça, eux, eh ben, ils seront dans la merde parce qu'ils n'auront plus personne qui viendra les voir. Continuez à partager, continuez, continuez. Et si vous êtes bloqués, tant pis, continuez, continuez, continuez. Et bien comme ça, il n'y aura plus de monde sur Facebook. Et ils se seront pris à leur propre jeu et à leur propre piège. Parce qu'il y en a ras-le-bol. Voilà, il y en a ras-le-bol. À un moment, il faut savoir dire stop. Hein? On a notre droit, on a notre liberté. Hein? Il ne faudrait pas qu'on commence à nous l'enlever. Parce que là, pour le coup, le peuple, il va vraiment se révolter. Et là, c'est pas moi qui va leur dire de monter à l'Élysée et aller casser la gueule à tout le monde. Ils vont y aller tout seuls. Ils ont besoin de personne. Ils n'ont pas besoin de leader. Ils ont besoin de personne. Ils vont y aller. Et moi, de chez moi, je les applaudirai. Et je ferai la fête et, pour le coup, pour la première fois de ma vie, je boirai du champagne. Alors, faites. Faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Moi, je vous préviens juste. Hein? Si vous partagez des vidéos qui disent la vérité, qui vous mettent en garde contre ce qui se passe actuellement, contre le fait que le gouvernement vous emmène vers le nouvel ordre mondial, bloqué pendant 30 jours. Hein? Vous risquez d'être bloqué pendant 30 jours. Et puis vous risquez d'être, encore une fois, je le dis parce que ça me plaît beaucoup, merde, ça me plaît beaucoup parce que c'est absolument pas moi et ça me plaît beaucoup. Vous risquez d'être accusé d'activité terroriste, haine organisée, meurtre de masse en série, traître de personnes, entre autres traître des blanches, traître des noirs, traître des jaunes, traître des verts, voilà, c'est, voilà. Et violence ou activité criminelle organisée, voilà, voilà. Hein, moi j'ai un garage, c'est pour y mettre les voitures, c'est pas pour organiser quoi que ce soit. Donc, bon courage à tous, bon après-midi, soyez en paix, moi je le suis maintenant que j'ai poussé ma gueulante, c'est bon, je vais pouvoir vivre ma vie tranquille. À vous de voir ce que vous voulez faire, hein, et puis à bientôt, bye.